Et pour présenter ces prix, nous accueillons, et on peut l'applaudir franchement chaleureusement, Léa Mattel, qui est chef de projet à la Fondation Pierre Fabre et l'une des chevilles ouvrières, il faut le dire, de cette journée, de cet observatoire et de cette conférence. Alors Léa, pas de lauréat e-santé cette année, mais un appel à projet un peu particulier. Pourquoi? C'est bon, c'est tout. Alors, il faut savoir que dans le cadre de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud, la Fondation a lancé Donc on a la Côte d'Ivoire, le Mali, on a aussi le Cameroun, le Burundi et le Togo. Et on va donc dévoiler ici en direct pour la première fois les 5 projets retenus, les 5 lauréats. On commence avec le nom du premier, Léa. Et c'est... Alors le premier lauréat, c'est le projet d'évaluation... Heureusement qu'il y a les anti-sèches. Le projet d'évaluation de la phase pilote de déploiement d'une plateforme numérique de suivi des patients et gestion des stocks de médicaments anticancéreux en Côte d'Ivoire. Voilà, que l'on peut applaudir, c'est le docteur Franck Gnat qui recevra bientôt ce trophée et qui nous explique en images le principe de cette évaluation. Stocks or inventories of anti-cancerous drugs. So it is the evaluation of the pilot phase. Notre projet est un projet d'évaluation d'une plateforme numérique du parcours du patient en fait en cancérologie en Côte d'Ivoire. Et cette plateforme a été mise en place à travers un projet pilote depuis l'année dernière jusqu'à mars, de mars 2021 à mars 2022. C'est un projet de digitalisation du parcours du patient, un projet qui a été mis en place pour suivre les patients et en même temps suivre le stock des médicaments anticancéreux dans deux sites depuis l'enchaînement. Il s'agira pour nous de pouvoir, au cours de cette évaluation, pouvoir identifier les difficultés ou les problèmes de traitement de la mise en œuvre d'un projet numérique au niveau de la prise en charge des cancers. Franchement, on ne s'y attendait pas. C'est un honneur pour nous d'avoir été lauréat à ce prix. C'est une joie, une immense joie qui nous anime. Déjà, pour un projet pilote, ça nous permettra de, ça nous donne plus d'allant pour continuer ce projet, travailler à améliorer le projet et le déployer au niveau national. Ça nous permet d'avoir une sécurité de nos actions au niveau de notre territoire. Voilà, le docteur Franck Nahatin qui nous écoute certainement depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qu'on peut applaudir à nouveau pour ce trophée, alors qu'on va lui remettre symboliquement, voilà, puisque les trophées sont là, il partira d'ici quelques jours pour la Côte d'Ivoire. Léa, en quoi ce projet, il est intéressant, il méritait d'être suivi par la Fondation?
you consider this project as being one of the Eh bien, c'est un projet qui nous vient de l'Institut national de santé publique, donc c'est à la fois une structure reconnue et puis le sujet, lui aussi, est au cœur des enjeux de santé publique nationale, puisqu'on est bien à la fois sur du suivi des patients et puis sur le suivi de la gestion des médicaments. Deux enjeux cruciaux. Enjeux cruciaux et sur lesquels, toujours le même esprit, on va pouvoir capitaliser, bénéficier, comme ce qu'on fait depuis ce matin, de leurs forces, de leurs faiblesses, pour les transmettre aux autres projets derrière. Merci beaucoup Léa pour ce premier prix, pour remettre le prix suivant. J'appelle Marion Lelouvier, qui est présidente du directoire de la Fondation de l'Avenir, partenaire de cette journée, Fondation de l'Avenir pour la recherche appliquée. Tenez, hop, j'attrape un micro au passage. Voilà, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Un petit mot peut-être sur cette fondation. Elle est connue ici à Toulouse, elle est connue à Paris, elle est peut-être pas connue dans les pays qui nous écoutent actuellement. Bonjour à tous, merci beaucoup. Et puis je me joins évidemment à tous les saluts et souhaits de rétablissement amicaux qui ont été adressés à Béatrice Garrett. Nous travaillons, c'est la première fois que je suis à Toulouse avec vous. Vous connaissiez peut-être Dominique Letourneau, mon prédécesseur, et vous connaissez peut-être quand même la Fondation de l'Avenir, puisque la Fondation Pierre Fabre et la Fondation de l'Avenir sont partenaires depuis quelques années déjà, depuis 2017, autour des questions de santé numérique. La Fondation Pierre Fabre est membre du Fonds Avenir Santé Numérique que la Fondation de l'Avenir mène et qui traite notamment dans une chaire Avenir Santé Numérique de projets, de l'évaluation de projets de télédermatologie, de télémédecine, de téléconsultation. Et évidemment, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit ce matin, la digitalisation maintenant est complètement actée et nous-mêmes, effectivement, dans cette chaire, nous avons pu accélérer des projets sur l'année 2020-2021, finalement, par l'intermédiaire du Covid-19. Et inversement, la Fondation de l'Avenir, qui soutient, au-delà de projets en santé numérique, la recherche médicale partout en France, de manière très généraliste, sur des projets de chirurgie mini-invasive, de médecine interventionnelle, d'accompagnement des patients en cancérologie, que ce soit sur le plan sanitaire ou médico-social ou dans l'organisation des soins, eh bien, la Fondation de l'Avenir a choisi d'accompagner la Fondation Pierre Fabre sur cet observatoire e-santé, parce que c'est important de dialoguer Nord et Sud ensemble. Cette journée l'a bien illustré. Si je reprends les termes de ce matin, issues and topics are the same. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et nous pouvons consolider ensemble et nous rassembler les personnes autour des les soignants et les soignés ensemble. Et donc ce prix, Marion Lelouvier, est remis à... Ce prix est remis à Anya Namaye Diallo, qui est étudiante à l'Université de Santé de... Alors, je n'arrive pas à me relire. Kankov Moussa est au Centre Innovation DigiSanté du Mali. Elle est en lien également avec le Centre Expert de Recherche en Télémédecine et en e-santé, le CERTES. Et c'est un projet qui accompagne et qui évalue sur le plan médico-économique. Je trouve que pour parachever cette journée, en tout cas faire partie de la fin de la journée, c'est une belle concrétisation, puisqu'effectivement, c'est un projet d'évaluation médico-économique du déploiement d'un système d'information hospitalier qui est au cœur de la politique de santé du Mali depuis plusieurs années déjà, qui est un système informatique hospitalier déployé dans 22 structures et qui donc va étudier sur le plan médico-économique les apports de cet outil. Et je pense que la chercheuse va le dire mieux que moi. Exactement, c'est ce qu'on va découvrir en image tout de suite, donc avec Anna Nanamoye Diallo, et ce prix pour l'évaluation du système SINZAN. Le projet consiste à faire une évaluation sur l'impact médico-économique du système d'information hospitalier SINZAN. SINZAN est un système d'information hospitalier qui permet une gestion informatisée des structures de santé privées et publiques. Alors, à travers cette étude, nous souhaitons évaluer les bénéfices médico-économiques qu'un système d'information hospitalier peut apporter à une structure de santé en identifiant son impact
sur l'amélioration de la qualité de soins, en mesurant ses effets sur la maîtrise des dépenses de santé, en déterminant son rôle dans le pilotage des structures de santé et la prise de décision, et enfin, en appréciant la satisfaction des utilisateurs. Il faut savoir que ces bénéfices potentiels sur le plan médical et financier d'un système d'information hospitalier sont évidents. Mais il faut arriver à les matérialiser sur le plan scientifique avec des données fiables. Or, ces données scientifiques manquent beaucoup en général et en particulier dans notre contexte malien et africain. Ce projet, c'est mon projet de thèse et c'est la toute première reconnaissance scientifique pour moi. Ce n'est pas rien. J'en suis d'autant plus ravie que mon directeur de thèse et tous mes encadrants en sont fiers. Cela m'amène à me surpasser désormais car c'est une responsabilité aussi. Et ce prix nous offre les moyens matériels de réaliser ce travail de façon convenable et d'atteindre les objectifs de l'étude. Il permet aussi de donner une visibilité à nos résultats de recherche grâce à une meilleure dissémination à travers les réseaux de l'Observatoire e-Santé. Je remercie sincèrement la Fondation Pierre Fabre de nous donner cette opportunité. Merci beaucoup. Et toute l'émotion de la jeune, j'ai envie de dire, Ania Niamonier Diallo au Mali, qu'on peut vraiment applaudir chaleureusement parce que je suis sûr, certain qu'elle nous regarde en direct. Et Marion, on va lui remettre, elle est symboliquement ce prix devant la caméra, voilà, qui va partir pour le Mali dans les prochains jours. Bravo, bravo à Ania Niamonier Diallo, bravo à elle. Et on va passer, merci Marion, on va passer au troisième prix. Et pour remettre ce prix, va nous rejoindre le docteur Mehdi Benchoufi, qui est praticien hospitalier impliqué dans de nombreux projets de télémédecine, dont Écopen, dont on a beaucoup parlé déjà dans cette conférence, qui est un outil bon marché pour réaliser des échographies à distance, qui a été primé par la Fondation Pierre Fabre. Mehdi Benchoufi, vous êtes aussi membre du groupe d'experts de l'Observatoire d'Aïsanté dans les pays du Sud, praticien et aussi chercheur, il faut toujours le rappeler. En quoi, juste entre parenthèses, en quoi cette initiative sur l'évaluation et des prix sur cette évaluation quelque chose d'important pour vous qui êtes et praticien et chercheur? Précisément dans le domaine de la santé publique et encore plus précisément dans l'épidémiologie clinique, qui est précisément cette science qui consiste à bien faire de la recherche. Je pense que c'est important ce qui a été fait, ou en tout cas ce que ce qui accompagne la Fondation Pierre Fabre est important à plusieurs titres. D'une part, il s'agit d'un problème de santé publique majeur à l'échelle planétaire, qui est une problématique de cancer du col, en particulier au Cameroun, avec une couverture vaccinale aujourd'hui qui est assez faible. Par ailleurs, c'est la mobilisation d'outils modernes, l'utilisation, on va dire, simple d'outils modernes qui permet d'aller investiguer l'état de la population qui est susceptible de faire des cancers. Alors là, Mehdi, on est obligé de préciser justement que ce prix va être remis pour l'étude de faisabilité d'utilisation d'un spéculum intelligent pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Troisième point, avant de s'engager plus avant dans des études de validation, donc l'équipe en question prend soin de faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité pour voir quelles sont les conditions optimales pour procéder à de la recherche clinique, encore une fois, sur un sujet de santé publique majeur. Et ce prix est donc remis à GIC Space pour une étude de faisabilité de l'utilisation d'un spéculum intelligent pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Est-ce que c'est le docteur Konrad Tonku qui va nous expliquer tout de suite le principe de ce projet? So this is a study on the
Digmed est une start-up camerounaise qui développe des technologies dans le domaine de la santé adaptées au contexte des pays africains. Et notre objectif majeur est d'éradiquer le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein dans le monde en général et en Afrique en particulier. Un de nos produits phares est un spéculum intelligent qui permet le diagnostic du cancer du col de l'utérus dans les zones les plus enclavées où l'accès à des soins de santé qualifiés est inexistant. Grâce à ce spéculum intelligent, le diagnostic du cancer du col de l'utérus peut se faire à distance. Le diagnostic se fait de façon instantanée avec un spécialiste qui peut se trouver n'importe où dans le monde. Ça va déjà faire presque 2 ans que nous développons cette technologie et nous avons fini les essais techniques. Nous avons eu l'approbation pour un brevet technologique dans le monde entier. Et donc, ce prix nous permettra de faire les essais cliniques qui permettront de valider scientifiquement cette innovation. C'est une sorte de reconnaissance de tout le travail que nous avons eu à mener jusqu'à ce point, en considérant d'abord que c'est d'abord compliqué de créer une innovation étant basée dans un pays sous-développé. C'est également une sorte de boost pour le chemin à venir. Pourquoi? Nous sommes à l'étape où nous voulons démontrer de manière scientifique l'importance de ce que nous avons créé et la pertinence de ce que nous avons créé. C'est une autre reconnaissance parce que c'est croire au talent des jeunes, pas croire à l'innovation des jeunes. Et c'est une sorte de boost de motivation également pour démontrer que les solutions africaines peuvent venir des Africains. Donc on peut oser, on peut créer et puis changer vraiment l'Afrique pour montrer notre image. Voilà, un prix remis pour une étude de pré-projet, justement, sur de la faisabilité. On n'attend pas de faire, ensuite d'aller prouver que ça avait un intérêt. On prend la question dès l'amont, est-ce que ça a intérêt? Et ensuite, on va faire. Mehdi, on va remettre symboliquement ce prix pour la photo, avant qu'il ne parte pour le Cameroun dans les prochains jours. J'en profite parce qu'on a notre photographe, voilà, à l'autre bout de la salle. Et puis on salue justement nos amis camerounais qui nous regardent en direct pour cette journée. Merci beaucoup Mehdi Benchoufi. Et le quatrième prix sera remis par Demba Diallo, qui est consultant, qui est spécialiste en santé digitale, entre autres, et qui est membre aussi, venez nous rejoindre, qui est membre du groupe d'experts de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Voilà, je trouve un micro ici. Voilà, Demba avec Mehdi, tout à l'heure, on avait un regard de praticien hospitalier sur l'importance de ces prix sur l'évaluation. J'ai envie de vous dire, pour vous qui êtes consultant, spécialiste de la santé digitale, en quoi, justement, la création de ce type de prix est importante? Il marche, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est important un double titre. On a beaucoup parlé de scalabilité aujourd'hui. Donc, c'est bien quand des projets fonctionnent à petite échelle, c'est mieux quand ils sont scalables. Et donc, évaluer permet de voir notamment quels sont les bottlenecks qui permettent de pouvoir déverrouiller les points de scalabilité. C'est un premier point, donc les verrous en fait. Deuxième point qui est intéressant, c'est de pouvoir mesurer l'impact concret auprès des bénéficiaires. Parce que pour oublier l'enjeu de tout ça au niveau de la Fondation Pierre Fabre, c'est d'avoir un impact sur les populations les plus vulnérables. Et donc par rapport à ça, c'est de pouvoir voir en quoi est-ce que ces projets ont vraiment impacté les plus vulnérables de manière très concrète. Voilà. Et ce quatrième prix est donc remis à Kira Mama. Kira Mama pour l'évaluation du projet Rapide SMS, intéressant puisque c'est un projet qui doit être transposé du Rwanda au Burundi, mais selon des modalités différentes, dans des pays différents, des cadres différents, des cultures différentes. Et on découvre tout de suite ce projet avec Anissa Nyondai. Mon projet, c'est un projet d'évaluation d'un projet appelé Rapide SMS.
quête utilisée pour améliorer la santé maternelle et impacter le monde public. Donc, il s'agit d'une technologie qui utilise des messages qui sont envoyés aux agents de santé communautaire. Avec ce téléphone, ils peuvent enregistrer des phénomènes de santé dans la communauté. Et ils peuvent même envoyer des messages d'alerte ou bien des rappels et des conseils pour des soins prénataux et des soins postnataux aux femmes et aux enfants qui nécessitent la vaccination. Je voulais évaluer ce projet car c'est un projet d'innovation, mais à regarder dans la littérature, nous voyons que la plupart de ces projets échouent. C'est parce que ce sont des projets qu'on répète en provenance des pays étrangers. On ignore le contexte dans lequel ces projets s'insèrent. Cette évaluation que j'envisage d'effectuer une recherche qualitative et quantitative va démontrer les obstacles, bien les succès, bien les éléments qui pourraient être favorables pour ce projet. Je suis énormément heureux de pouvoir gagner ce prix. J'avais candidaté pas pour question de curiosité. Je ne pensais pas que je pourrais gagner. Mais voilà, j'ai gagné. Ce prix va me permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Et je vais effectuer une recherche de meilleure qualité parce que la recherche, ce sont les moyens qui comptent. Pour effectuer une bonne recherche, ce sont les moyens. Donc je pense que avec ce prix, je vais quand même obtenir de meilleurs résultats pour mes objectifs. Je dis vraiment merci beaucoup à la Fondation Pierre Fabre. Voilà, toute l'émotion à nouveau, un jeune chercheur qui tout d'un coup, alors qu'il ne s'y attendait pas à avoir des moyens pour mener ses recherches à bien dans de meilleures conditions et un prix qui va bientôt lui être adressé. Demba, vous vouliez commenter un petit peu ce projet de recherche? Peut-être pour le mettre un peu en contexte, parce que l'audience, je pense, ne sait pas trop ce qu'il y a derrière tout ça. Le projet Rapid SMS au Rwanda, en trois mots, c'est un projet qui a permis de sauver la vie de près de 600 000 enfants entre 2009 et 2015, qui a permis de réduire la mortalité maternelle, qui est passée de 31 à peu près, de 47 à 31 à peu près, pour autour de 10 000 personnes. Donc en fait, c'est un projet qui a un fort impact et qui a été évalué par l'UNICEF. Donc ce qui est intéressant ici, c'est la tentative de réplicabilité. Donc on est sur des grosses GCL d'impact. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup et je vous laisse aller lui remettre symboliquement à travers la caméra ce prix qui va, voilà, dans le bon sens, qui va bientôt partir donc pour le Burundi. Je suis sûr où Anissa nous regarde en direct aujourd'hui et voilà, on lui remet ce prix symboliquement en direct. Dernier, cinquième et dernier prix pour le remettre, Bertrand Parmentier, qui est membre du conseil d'administration de la Fondation Pierre Fabre, qui va nous rejoindre sur cette scène. Voilà Bertrand, je vous tends un micro pour remettre ce cinquième prix. C'est le rôle de la Fondation, justement, d'inciter à la recherche, à l'évaluation par des prix spécifiques. Tout à fait, parce que ça fait partie des facteurs de développement à long terme. Et la recherche, c'est le principe moteur qui est à l'origine des laboratoires Pierre Fabre en tant que tel. Et la recherche va permettre derrière de développer également la formation. Et encore une fois, c'est ça qui permet de tirer un développement durable à l'intérieur du pays. Et ce cinquième prix est donc remis à... Alors, ce cinquième prix est remis au Centre de formation et de recherche de la santé publique de l'Université de Lomé, au docteur Sibabe Aguro, pour un projet de recherche sur l'évaluation de l'utilisation d'une plateforme électronique de messagerie mise en place dans la direction régionale de la santé de la région de Kara, au Togo, pour le suivi et le référencement des femmes enceintes. Et on écoute tout de suite les explications sur ce projet du docteur Sibabe Aguro. So again,
Nous avons, selon les documents donc, de notre plan national de développement santé du Togo, pour le compte des années donc 2017-2022, la mortalité maternelle et néonatale reste élevée. Alors depuis 2019, nous avons mis en place une plateforme au niveau de notre région pour essayer de travailler dans le sens de réduire cette mortalité. Cette plateforme n'a jamais été donc évaluée. C'est pour cela que nous nous proposons de faire ce travail. Et nous avons posé quelques hypothèses, à savoir que la plateforme contribuerait normalement à réduire la mortalité et que cette plateforme aussi permettra d'avoir des données sûres qui peuvent être donc utilisées pour avoir de bons indicateurs et améliorer donc la référence et contre-référence des femmes enceintes. Nous avons aussi prévu un point très important, c'est de parler des points forts, des faiblesses, des opportunités, la menace liée à l'outil. Est-ce que en termes de confidentialité des patients, les données qui sont générées sur cette plateforme, est-ce qu'il faut à la fin continuer par l'utiliser ou bien proposer donc au ministère de la Santé de chercher un outil beaucoup plus sûr. Donc voilà des questions sur lesquelles nous allons beaucoup travailler. D'abord, je voudrais dire tous mes remerciements donc, à la Fondation Pierre Fabre. C'est vraiment une grande opportunité que cette fondation m'offre. C'est un sentiment de joie que j'exprime. Et je crois que avec donc ce prix, je vais pouvoir davantage travailler avec les prestataires de soins pour qu'on améliore ce système. Parce que continuer par avoir une mortalité maternelle élevée, ce n'est pas une bonne chose. Voilà, et on peut applaudir la joie du docteur Sibaba Agoro et ce prix qui va bientôt partir, peut-être même dès ce soir, tiens, dans certains bagages de la salle, qui va pouvoir partir pour le Togo. Bernard Parmentier, une réaction face à ce prix? Bah, écoutez, à la fois par rapport à ce prix et par rapport à cette conférence ODES, parce que d'année en année, ce qui me frappe, c'est la montée en maturité de ce parcours digital que nous essayons d'accompagner. Cette année, l'évaluation était vraiment au centre des thèmes qui ont été abordés. Ça montre bien qu'on a déjà passé plusieurs étapes et on a une illustration très bonne à travers ce projet, je dirais, de l'intérêt de ce process d'évaluation qui permet quelque part de passer à l'échelle, de partager des expériences et d'exploiter de mieux en mieux la data pour des problématiques de santé publique. Donc je trouve que c'est vraiment très bon signe de la montée en puissance de cette maîtrise du parcours digital à l'intérieur des pays du Sud. Et première chose, et deuxième chose, qui est extrêmement intéressant également, le fait que nous allons pouvoir, dans le Nord, capitaliser sur ce type d'expérience avec un renvoi d'ascenseur qui sera extrêmement à valeur ajoutée pour les pays du Nord. Ah oui, on a tous à apprendre les uns des autres. On passe notre temps à le dire depuis ce matin. Bertrand Parmentier, je vais remettre symboliquement ce prix justement qui va partir au Togo. Peut-être dès ce soir ou demain et dans les prochains jours. On a beaucoup d'amis du Togo, une belle délégation du Togo dans cette salle.